Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Alors aujourd'hui, maraîchage ou maréchal? Petit indice? Je sais pas trop. Bon, on voit ça dans cette vidéo. Allez go! Alors, maréchal ou maraîchage? Ben, je pense que Alvaro, il a besoin de sa petite séance pédicure. Il y aussi. Alors bon, le maréchal est passé. Et ben ouais, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Donc là, pour rappel, avant que je parte dans le périple, on avait dû faire passer le maréchal parce que la petite Izzy avait chopé un abcès sous le pied. Donc ben là, il est repassé voir un petit peu et en même temps, bon, on va faire le gros loulou. Allez, c'est parti. Mon loulou, on va faire 6 pieds. Ouh, pas précipité. Où est-ce qu'on pose la caméra? Qu'est-ce que t'en penses, mon loulou? Easy. Tu viens faire tes pieds, Easy? Parce qu'à mon avis, c'est pas joli, joli. Hein. Elle fait la tête. Ouais, c'est le dernier coup, moi j'ai eu mal. Hein. Moi, t'aimes pas trop. Hein. Ça m'a niqué hein, le dernier coup. Hein. Ça pique. Hein, ma belle? Viens. On va faire ses pieds, lui. Ah ouais. Putain, il y a eu une piqûre de cortisone. Là, il y a encore. C'est quoi, c'est dans le système? Je pense qu'il était temps de les faire aussi sur le ventre. Ouais. Le dernier coup, on avait fait Easy qui était bien avancé. Ouais. On n'avait pas fait ça. Ouais, je pense que hier, on l'avait fait de temps en temps. Ouais, ouais. Tu peux venir voir ce qu'il fait à côté. Et alors, comment ça pue le panard là-dessous? Regarde tout ce qu'ils enlèvent. C'est comme toi quand tu tailles les ongles, mais sauf que c'est un gros. Ouais, c'est. Bah, ça se fourre un peu hein, quand même à l'intérieur. C'est pas moi. Je vous rassure. Ça pue toujours comme ça. Ah ouais, puis tu vois les là... chiens, comment ils kiffent ça. Et là, c'est rien. Il y en a, quand t'as une infection, ça. Hein, quand il y a une infection, ça. Ça, c'est l'infection ou c'est. Non, 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 c'est. C'est du pied. On fait. Non, non, là. C'est pas comme ça. Ouais, mais là, c'est la taille. Ça devrait être la taille. Ouais, c'est pour 2 heures. Bon, du coup, je peux pas m'en racheter. Ma belle, regarde. Tu regardes, ma belle. Surveille. Ouais, ça, il faut regarder ce qui se passe. Ça va la taille du pied? Tu fais pas. Non, non y'a pas de là. Elle est juste pas. Hein, donc, non mais c'est ceux qui ont des déformations au pied ou ceux qui usent beaucoup parce qu'ils ont pas la route. Ouais, c'est souvent l'activité. Souvent. Ouais, c'est l'activité qui fait des. On n'a pas besoin d'y mettre des pneus de compétition, ça fait longtemps que j'ai plus fait de course. C'est une drôle de gueule. Pardon? Oui. Eh ben. Ça pousse pareil? Ah, c'est pareil, il continue à pousser, oui. Il faut. C'est tous les combien de temps tu les enlèves? Ça pousse plus. Ah ouais? Oui, parce que là, en fait, là, il s'use les pieds. Il s'use les pieds vu qu'il n'y a pas de fer. Alors, avec les fers, ben, le pied ne s'use pas. C'est le fer qui s'use.
Tu fais lui aussi? Ah oui, bah, elle va passer aussi. Hein. Voilà, hein, ma belle. Elle n'a pas l'air d'accord. Non, non, non. Puis le dernier coup, elle avait eu une infection à son, au niveau de son pied. Ouais. Et du coup, ben, elle a les souvenirs de quand on lui a trouvé l'abcès dans le pied. Elle a eu mal la fois dernière. Donc là, elle va se méfier un petit peu, à mon avis, quand on lui prend son pied. Ouais, mais déjà là. Elle va se souvenir de la fois dernière. Mais elle a dû comprendre que ça lui a fait du bien. Ouais, franchement, il reste sur la première impression quand même. Ouais. Et ça peut même être personnalisé, hein. Peut-être ça peut être juste lui. Hein. Bah non, mon loulou, il est cool, hein. Tranquille, mon loulou. Pas de problème, prends-le. Ah, on voit que la cantine est bonne. Hein. Oui, il y a encore de l'herbe. La cantine est bonne. Ah, ouais, c'est terrible ce boulot de tondre tous les jours. Hein. Ouais, exploiter, mon loup. Fatigant. Il y a des pommes, par exemple. Là où il y a à manger mon chat sur la table, il y a un sachet avec des pommes. Il aura le droit à une pomme, mon loulou. Bien, une pomme. 18 ans. Elle est bien, encore. Bah, le problème, c'est qu'elle est en fusain. Ah ouais, partout. De l'astre, en fait, hein, c'est de l'astre pour les chevaux. Non, mais. Pourtant, quand elle respire, là, t'entends l'odeur de sa respiration. Ah ouais. L'odeur, le bruit. Le bruit, t'entends l'odeur. Déjà. Ouais, la tête de cheval. Un bon loulou. Je t'avais dit de ne pas fumer tous des pétards quand tu étais jeune. Ben voilà maintenant. Bon, vous cassez ou vous faites des manicures. Set me free.
come set me free, 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 free. C'est là où on voit. Ah ouais? Souvent quand tu m'envoies, c'est qu'on les prend. Pour regarder tout de suite parce que souvent ça se. À ce moment-là, tu le sais. Ouais, parce que des fois quand ils font quelques pas, ça se réchauffe. Ah ouais? Mais. Parce que je connais. Moi j'ai commencé par un. On va commencer par l'autre. Des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs, un mauvais. Hein? Bah oui. Si tu n'es pas terrible, la fois dernière. Hein. Ça pique, hein? Oui, ça pique. C'est pire en fait. Plus tu t'appuies sur elle, plus elle te pousse. Ouais. Non, c'est elle qui pousse. Elle pousse sur moi. Elle s'appuie sur moi, carrément. Elle tourne sa tête. Elle, si je lâche, elle tombe. Elle s'appuie sur moi. Pomme après. Petite pomme.
fait la tête. J'aime pas le maréchal. J'aime pas le maréchal. Après, tu pues des pieds. Mais c'est pour avoir des beaux pieds, moi. Ah, c'est une gonzesse, hein. C'est pas si facile, hein. Je ne suis pas une ânesse facile. Tu veux faire du bijou à la caméra, mon loulou? Toi, t'es déjà passé. Ça y est, les loulous, on se sent mieux, on se sent plus léger. Ouais. Bijou. Bijou. Bon, voilà, les amis, vous avez vu un petit peu l'après-midi que j'ai passé. Le maréchal était là, j'avais les parents également qui étaient à la maison, vous avez pu les apercevoir durant la vidéo, qui regardaient un petit peu la séance maréchal. Parce que ben, forcément, c'est cupidé des loulous, hein, vous avez vu, maintenant ils ont leurs pieds propres et ils sont prêts pour l'hiver. Voilà, j'espère que cette petite incursion dans le monde du soin des pieds des chevaux vous aura plu. Ben, si ça vous plaît ce genre de petite aventure, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, un petit commentaire, on s'abonne et puis on se revoit bientôt. Au domaine d'Alvaro. Allez. Ciao, ciao, les amis. À bientôt. Au domaine d'Alvaro. Allez. Ciao, ciao, les amis.